Dis bonjour Steve. Salut. Alors présente un peu la vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Hitman dans un contrat d'assassinat de Maxime. Je pense que je vais en faire peut-être un ou deux, je sais pas, suivant le temps. Alors regardons déjà tous mes contrats, voilà. Bla 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 bla. Voilà. Alors le contrat que tu sens le plus, je sais pas. Alors moi, techniquement, je crois que celui que j'ai bien imaginé un scénario, même si je l'ai pas marqué. Alors il y a celui-là où j'avais imaginé un scénario et à gauche, à gauche. Et il y a celui-là, complot américain. Je sais pas ce que tu veux tester. Alors celui que tu vois dans complot américain, c'est l'agent Smith. D'accord. Ok, bonjour, c'est là. Alors, ah, Hitman. J'ai hâte de voir la saison 2. Ok. Alors l'objectif. Pas d'armes, en portant un déguisement homme et une intuition armée en cuisinier, en directeur de l'hôpital avec un pistolet, mitraillette, directeur de l'hôpital, passant VIP, Dexter. Non mais d'accord. Et surtout c'est un moitié à well, enfin surtout ces deux là quoi. Ok. Préparation. Je pense que je laisse comme ça. C'est toi qui vois. Tu peux te préparer comme tu veux. Costume. Équipement tactique. Il y a que ça en tenue. Ouais, tu peux. Les autres, tu peux pas les choisir. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage que t'aies pas accès à tous les costumes. J'adorais ça dans Absolution. Ok. Tiens, il est stylé comme ça. Bon, fais ton équipement, je vais me chercher à boire. Le mec, il se barre comme ça. Salut. Ok, alors de toute façon, il y en a deux sans armes, une au pistolet si j'ai. C'est planté. De toute façon, t'auras encore les objectifs si tu lances l'émission. Ah, voilà, non armé, au pistolet, la mitraillette. Ok. Je peux pas. Objet de contrebande. C'est quoi, c'est. Tu peux mettre des trucs, tu peux changer tes armes hein, aussi, normalement, les trucs. Ouais, toilette du restaurant. Ça me paraît une bonne idée. Alors, t'as des grandes planques et des petites planques. D'accord. Les petites planques, tu peux pas mettre les grosses armes. Ouais, c'est ce que je me doute, ouais. Voilà, notamment, là, c'est un petit point de retrait, justement. C'est pour ça que tu peux pas mettre les gros trucs ici. Ok. Du coup, il n'y a pas la mitraillette, quelque chose comme ça. Bah non, je viens de te dire. Hein. Tu peux pas mettre hein, les petits points de retrait. Tu vois, il y a marque. D'accord. Seulement dans les grands points de retrait que tu peux mettre des trucs comme ça. Ah, je pensais, bon, quand je pense à la mitraillette, je pense à. Voilà. Ok. T'as aussi des fusils sniper. Ouais. Bon, alors mitraillette, n'importe quelle mitraillette, je pense. Ouais. Il n'y a pas qu'un silencieux pour avoir. Bah, je crois que celui-là. Silencieux, voilà. Et le reste, on va laisser comme ça. Ah, bonjour, Minute. Ok, super. Ça va, Minute. Bonjour. Je vais dormir. Je vais dormir. C'est parti, on commence. Alors, il donc doit tuer Candice Valencia, Satoyo Takano, Hope Ershova, Debra Askew et Rizae Ozawa. Riza Ozawa. Ça y est. Avec son super t-shirt. Tu l'as eu où? Dans une brocante? Non, dans un magasin en ville. Mais lesquels, je sais plus, c'était Grunge Boutique ou trop chaud. Non, c'est pas Grunge Boutique, c'était. Frock and Roll, je crois. C'était la Garfield. Les lingeries Lafayette. Non. Après les galeries Lafayette, les lingeries Lafayette. Ouais. Alors. Alors non, si je me rappelle bien, c'est lui que tu dois avoir la tenue. Okay. Le monsieur dans l'autre pièce. Tu vas aller le buter direct, c'est ça? Tu vas sur le balcon, poum. Vas-y. Hello, Mr. Reaper. Ok. Va le buter. Profite-en. Ouvre. Vite. Comment non. Je fais tu peux franchir aussi, mais c'est peut-être pas la meilleure.
Allez. Comment on fait pour ranger l'arbre déjà? Mais il est pas mort. Il est pas mort. Tue-le. Tu peux aller passer de l'autre côté. Oh là là là. Vas-y, va franchir. Là là là. Putain. Alors moi, niveau... en plus, quand la facilité, je savais pas l'habitude du tout sur le genre. Du coup, je commence à tirer n'importe comment, quoi. Il y a pas mal de se lever ou... Non, putain, mais... C'est pas une bonne idée. Ah, mais... Coucou. C'est la... Putain, il y a encore Monsieur Reaper qui veut se suicider. Putain, il est dépressif de merde. Alors du coup, ce costume-là, je suis obligé de le garder pour... C'est Passion VIP, oui, donc... Pour, je crois que c'était pour une... Les deux premières cibles. Les deux premières cibles, ouais. Je crois. Ou... Faudra voir. Dans les objectifs. Bon, attends, objectif. Hein. C'est pas là. C'est la touche du milieu. Alors, est-ce qu'il y en a une? Ah non, en fait, tu peux la changer celle-là. Directement cache comme ça, ok, super. Bah, lui, tu dois buter la dernière cible avec sa tenue, hein, donc tu pourras déjà la faire. Voilà, c'est Dexter. Dexter. Le Texan. Prends ton super accent Texan. C'est Barry, ça. Je suis pas Texan. Bon. Allez, viens. Je me rappelle plus si Hitman était disponible sur la One aussi. Si. Mais je crois qu'il y a moins de contenu. Enfin, c'est ce qu'ils avaient dit. Yeah. Et là, tu l'envoies très loin, jusque dans le lac, là-bas. Ok, super. Ouais, j'ai toujours ce mode pour un peu à travers, là, l'absolution. Ouais. recharger. Okay. Et là, tu jettes le flingue. Non, juste reprendre moi les basses quoi. Tu jettes la corde à piano, tu jettes tout, tu jettes tes fringues. Ok. T'as poil. Courir, ouais. Sur le côté, s'accroupir. Ok. Ok. Ça allonge. Il y a une queue. Attends. Ah, okay. Appel à l'aide. À l'aide. Au secours! Il y a les mecs qui viennent. Venez! Je me sens pas bien! J'ai fait un arrêt cardiaque! Oh putain, encore ce con! Oh putain, ils sont deux. Ah, j'ai jamais vu ça! Je l'ai jamais fait, je dois t'avouer, c'est. Je me sens mal. You are in bed, ok. Oh! Alright, Mr. Dexter. I see you're up. Good. J'aime pas ta meuf. Toi mec. Je me demande ce qui serait passé si t'étais resté allongé. Il t'aurait déclaré cliniquement mort et t'aurait emmené à la morgue. Vu que t'as une morgue dans ce niveau en plus. Fais gaffe où tu te changes hein, pour éviter que ce soit trop près d'autres vêtements. Non, non, c'était les seuls qui pouvaient venir. D'accord. Alors du coup, je pense que plus personne viendra ici. Donc t'as le déguisement de médecin, mais tu t'en fous, c'est pas important. T'es moins con. Enfin, ouais, ils sont inconscients, est-ce qu'ils peuvent se réveiller à un moment donné? Si quelqu'un les trouve. D'accord. Ils risquent pas de se réveiller d'eux-mêmes, alors? Non, c'est pas comme les premiers Hitman. Où tu mettais le mec inconscient, il se relevait 2 secondes après. Dans le cas du doute, au cas où on sait jamais. 47, vous avez tué tout le monde dans le truc. On avait dit professionnel. Putain, pourquoi tes sous-titres c'est vraiment. C'est moi qui les ai mis grands. D'accord. Pas sûr de. Merci. Donc là, t'as des trucs électromagnétiques et tout. Welcome. Enjoy yourself. Ok. Tu peux aller te promener, vas-y. Bon, du coup, là, le truc rouge, c'est la cible. Si je cours, ça va pas stresser les gens.
Donc, alors, elle, c'est celle que tu dois tuer avec cette tenue. D'accord. Au corps à corps. Au corps à corps, ouais. Comment veux-tu faire? Corps. Comment veux-tu faire? Brise-lui la nuque, vite! Allez, merde. Quoi? Brise... casse-toi! Cours! Mais casse-toi avant que les gardes arrivent! Non, pas par là, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Pas par là, c'est pas la meilleure des idées. Ouais, mais bon, si je reste pas des cadavres, maintenant... Oui, mais à gauche. Ouais, parce que là, maintenant qu'ils t'ont compromis, c'est foutu, les gens vont fouiller. Donc va, va à gauche. Ils m'ont repéré? Va à gauche. Va dans ta chambre. C'était au bout. Oh, trop tard! Cours! 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 Non, c'est pas celle-là! À gauche! Ouais. Alors, en fait, si t'avais été assez rapide, le mec, il t'aurait même pas fait chier, c'est pour ça. À gauche! Vite! Attends, on va te planquer de quelque part. Je trouve. Non. Si je suis caché! Je peux lâcher. Oui, bonne idée, vas-y. Merde. Non. Mr. Jason Portman. Ah, fais gaffe. Please come to the hospital entrance. Je voulais me coucher. Fais gaffe, il y en a plusieurs. T'aurais dû rester planqué. Oh, dégaine ton arme aussi. Ah là, tu l'as mal commencé le contrat. Je te rappelle que ça fait longtemps que je n'ai plus joué avec Man. Du coup. Ah, par contre, reste pas juste comme ça parce que sinon. Il... Ah merde, je pensais que. Oh merde. Bon, t'es mort. Je pensais qu'ils étaient plus bêtes que ça. Maintenant tu touches à aucune touche. Il y a ça pour le paysage. Ouais. Tiens, je vais très joli. Un mot à dire. On va voir que les mecs. Ce jeu est moche. Je crois qu'il est parti par là. Est-ce qu'il est par là? Bon, est-ce qu'il va fixer du regard avec un air méchant toute la soirée comme ça? Pour le moment là, suspicé, parce que tant que t'es en mode combat, les mecs, dès qu'ils te voient, ils te tirent dessus. Mmh. C'est-à-dire, il n'y a plus le petit truc de suspicion. Est-ce que si je me décale un peu? Tant que t'es en mode combat, mais il vaut pas tenter le diable. Hein. Ah, bon là, je pense qu'il s'est avouté. Là, il s'est avouté. Vous ne me voyez pas, voyez pas. Mais ça, mais ils font quoi? Ça, en fait, ils le voient très bien. Mais qu'est-ce qu'il fout, Michel? Non, mais c'est vrai, les gars, attends, vous êtes pas compétents, ma parole, hein. Fuis. Fuis aussi vite que tu le peux. Aïe, 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 mes doigts, arrêtez, 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 je lâchais. C'est pas dans mes rangs, mais bon. Y'a pas moins du genre de... d'escalader, mais de l'autre côté. Non. Le gars, il va pas avoir une crampe, hein. C'est dur d'être tueur à gage. Ouais, j'avoue. Bon. C'est peut-être pas l'idée du siècle, mec, de te placer. Mais bon, là, je pense qu'ils allaient pas me placer. Au pire des cas, je verrai bien. Vais-je y arriver? Vais-je y arriver?
Alors, il a choisi un contrat sur Sapienza. Ouais. Petit cochon. Alors, il doit tuer Tamara Sabatini, Beta De Salvatore, Greta Palermo, Carla Balbo et Sofia Biori. Alors, plombier rouge, garde du corps, personnel d'église, prêtre, avec un fusil de précision chacun. D'accord. Donc, si tu commences sans fusil de précision, t'es un peu con. Silver-voleur. Ok, bon, là, je sais que c'est pas chaud de prendre un grand point. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Sous-sol du café. Voilà, sous-sol du café. Alors le seul qui peut faire double zoom, c'est celui-là, c'est le 300. Celui-là. Ouais. Hop, c'est parti. C'est quand même plus pratique. Plombier rouge, garde du corps, personnel de l'église, d'accord. Bon, si t'arrives déjà à les buter, c'est déjà pas mal, hein, même sans les tenues. J'avais envie. Et je peux aussi prendre le... Ouais, tu peux aussi modifier l'équipement là, corde à piano. Ouais, ouais, j'ai vu aussi ça, j'ai vu, je regarde. Pièce, voilà. Est-ce que je peux mettre... Brouilleur, flacon de poison, seringue, t'as plein de trucs sympas. Ouais, bon, je vais laisser deux comme ça. Oh, il y a des accessoires super cool comme le truc canard, si tu l'as vu. Ouais, j'ai vu le canard explosif là, je crois que c'était. Ouais, t'as le téléphone aussi, téléphone il est classe. Je pense que tu arrives à les buter. Et objectif bonus si tu arrives à violer leur cadavre. On va s'en passer. On va s'en passer. Les PNJ ramasseront les pièces que vous avez jetées. C'est sûr, c'est la crise niveau argent. La moindre pièce, tout le monde saute dessus. Hein. Crise. J'ai fait. Crise espérant Steve. Non, Steve expert en crise politique. Vous pouvez le retrouver sur RTL chaque matin à 1h30. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on filme, hein? Ouais, pour une fois, ouais. Et si ça se trouve, on fera du Minecraft encore plus tard. Tu vois, c'est vraiment... C'est la journée Steve. Faites-lui un bisou. Il est gentil. Une journée Steve, une fois par année. Voilà. C'est pour ça que là, on fait plusieurs vidéos. Ah, et la prochaine fois, je suis sûr que tu vas réussir à terminer l'autre jeu. Opération Raccoon City, tu fais 4 missions. Les 4 dernières. Regionale Prima. Eh, qu'est-ce que tu me regardes, toi, le temps où, là? Et là, il jette la clope sur ton journal qui s'embrase. D'accord. Bon, ok. Alors, du coup... Tu peux rentrer par là-bas. Là, tout bon? Ouais, vas-y. Sorry, buddy. C'est bien ce que je vous disais. Je sais ça, connard. C'est bien ce que je disais. Je me disais, il y a deux gardes là. M'étonnerait quoi qu'on va se passer. Ah, elle a dit qu'il faut le descendre. C'est plus haut. Hein. Qu'elle parle. Elle t'a traité d'abruti. En anglais, ce qui est bizarre, t'es en Italie. Salut. Ok, Ça mène vers la planque, mais comme t'as pas mis le fusil là-bas. Le café, il est vers la droite. Par contre, c'est, avec cette tenue, tu peux pas te balader le fusil à l'air. Il faut avoir soit une tenue de garde du corps, soit en tout cas d'un mec qui est censé être armé. Donc t'as les gardes du manoir, t'as les gardes du corps aussi, un peu partout en ville. What? T'as la texture de ses habits, t'es bugué. Je vais à la plage. Est-ce que c'est en procès de déo cette porte? Quand t'as rien pour le moment. Si c'est gris, c'est que t'as rien pour pouvoir le déverrouiller. Oh. Rien pour forcer, rien pour truc. Hitman c'est plus ce qu'il était, là-dessus il avait tout. Ouais, mais là il est à poil. Bon. Hey there. Quoi, qu'est-ce que tu veux?
J'ai une petite rôle. Chauve. Je mange mon chapeau. J'adore sa tenue. Ouais. La classe partout. Hé, hey, c'est bon, on se calme, on se calme. Oh, je veux juste piquer de la bouffe, là. Oh, c'est pas vrai. Voilà les gardes du corps. Il y en a un peu partout en ville. Ah, ouais, j'allais dire eux. Lafayette. Just so, I'm outside Villa Caruso now, enjoying coffee in the sun. Watch it, buddy. J'ai hâte de faire les parodies aussi, les trucs que j'enregistrais. Wow, 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 c'est bon, calme-toi. Calme. Oh, calme. Calme-toi. J'aime bien que quelqu'un connaît ce type. Ouais, on a déjà le droit d'être un touriste. Hein? Allez, salut. Hey, ninja. Bon, t'as toujours pas réglé le problème, hein. Niveau tenue. La mode d'état. Ouais, bah du coup on va passer par là. Looking sharp today, il me faut pas aussi. Non. Alors. Bon déjà il te faut une tenue armée pour pouvoir prendre le fusil sniper. Parce que ça sert à rien de prendre les autres tenues, tu pourras pas te rendre au lieu de l'assassinat pour y déposer le snipe. Ouais. Je parle que les cibles sont bien là-bas. Comme par hasard, y'a pas moyen d'affecter un peu là. Salut. Bon, t'as mis trop de temps, il y a un PNJ qui s'est rajouté. Lui, il est pas là au début, le mec en jaune. Ouais. Oui, vas-y. Ouais, vas-y. Passe par la fenêtre. Voilà, super. Du coup... Bon, alors, je crois qu'il y a une très grande utilité. Je sais pas, monte. Oh. On verra bien. Et là, en fait, t'as Michel Polnareff qui t'attend. Bah, surtout que je vois les marches. Ah non. C'est, là, il craque, ça craque. Faites-leur la gueule. Faites-leur la gueule, vite. Ok. Achève-le au sol. Non, pas toi. Voilà. Bon, bah maintenant, t'as une tenue pour pouvoir trimballer une arme, donc tu t'en prends, tu prends celle que tu veux et tu peux redescendre. Ouh. Voilà, tu peux prendre celle que tu veux et tu peux redescendre. Yeah. C'est bon. Je suis tellement bien comme ça. Ouais, chercher le fusil. Est-ce que je peux stocker des armes? Oui. Ah là là, puis ah je suis bien comme ça, je range tout dans mon pantalon. Attends, tu refais le chemin inverse et tu vas dans le café. Oh. Voilà. oui, dans le café. Dans la cafétéria. Je sais, je pouvais prendre l'entrée principale, je suis un garde, mais bon, autant prendre le chemin que t'as pris avant. C'est pas ce même chauve qui est passé devant nous avant, tu sais, les deux gardes à l'entrée. C'est donc sa droite. Ouais. T'as plusieurs points d'entrée. Ici, ça permet aussi d'y accéder, mais toi, c'est le sous-sol qu'il te faut. Okay. Du coup, par là ouais, ça te permet normalement de... C'est un des coins qui part. Intrusion. Au pire, vas-y, tu le neutralises. C'est bon. Dans l'escalier, c'est mieux. Dans l'escalier, c'est mieux. D'accord. Voilà. Après, au pire, tu peux prendre sa tenue hein, pour le moment. Est-ce qu'il y a moyen de le planquer quelque part? Ah bah, ça mène au sous-sol, ça. Non, enfin, je sais pas, je crois. Ouais, ça mène au sous-sol. Ah, j'ai vu le sniper. Ouais, bah, je vais quand même prendre son cadavre, parce que là, c'est pas très... Tu peux te déguiser donc en être cuisinier, mais bon, ça t'est pas très utile. Putain, je fais pas trop de bruit, là. Oh non, dites pas qu'il rentre. Me dites pas qu'il rentre. J'ai peur.
Par contre, là. Il y a un Michel. Au pire, on prend son. Ouais, j'allais dire, je vais prendre d'abord son costume, comme ça, moi, je suis tranquille. Voilà. Et là. Hello, Berto! Comment t'es qui va? Ça va la vie, va Las Vegas? Non, mais non. Oh, tu t'en fous. Va pas le noter. C'est risqué parce qu'il y a des gens qui peuvent venir. Il y a personne pour ça que j'ai fait. Non, non, mais il y a quelqu'un qui... il y a des gens qui peuvent venir de derrière aussi. Non. 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 No. Bon, au pire, qu'on tourne. Brise-lui la nuque, quand même, pour être sûr que... Voilà. Attends, qu'est-ce que... Il y a moyen de le planquer, non, juste un peu plus. Fais gaffe. Voilà. Là-bas. C'est risqué parce qu'il y a des gens qui font... Voilà. Des allers-retours. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Voilà, ici. Bon. On va éviter de... Ici, je crois que c'est verrouillé. Il va falloir que tu reprennes l'autre chemin. J'espère que personne va trouver le cadavre. Oh, pire, il pourra rien dire. Mais non! Sérieux? T'aurais pas dû, en fait, sortir aller le niquer. T'es dégoûté, maintenant? Bon, tu peux faire le chemin par le café, vu que t'es habillé en aide-cuisinier. Oui. Au moins, t'as changé de tenue. Le gros truc, c'est que t'aurais pas changé de tenue. Ah, fais gaffe, monsieur, il a un point blanc. C'est-à-dire qu'il peut me repérer, c'est ça? Oui, il connaît bien le personnel. Il sait que tu t'appelles pas Alberto. Bouge. Merci. Par là, je crois. À gauche. Enfin, en face. Je crois que ça descend. Ah ouais. Normalement, je crois. Ouais, c'est une des entrées pour le sous-sol. Ok. Évite de ressortir. Non, yeah. Je voudrais reprendre le costume surtout. Peut-être planquer ce cadavre. Il y a le snipe. Au pire, tu t'en fous des tenues. Tant que t'as éliminé les cibles, hein, Bernard. Ça, non dissime, là. Ta-da-da-da. Enfin, ouais, non dissime. Personne n'a rien vu. Mais est-ce que maintenant. Pas par là, va pas par là. Casse-toi par une autre entrée. Non, parce que là, il y a le mec. Oh, bonjour. Est-ce que si je monte tout en haut, je peux flinguer les. Non, je pense pas. T'as une vue, mais ça va être moins pratique, je préfère l'église. Ouais, c'était le petit conseil. Après, tu peux aller dire bonjour à Hippie, mais c'est pas une bonne... Non, non, descends. Ouais, descends, tu peux partir par là. C'est mieux. Pourquoi te faire chier quand tu peux faire ça? Et maintenant, descends le long de la pente. Ça va? Ouais, ça va. Tu sais que ça change des. Enfin, du vieux Hitman Absolution, là. Du vieux Hitman premier du nom. C'est vrai qu'entre celui-là et l'autre, quand même une bonne paire d'années qui était passée, quoi. Mais c'est vrai que. C'est par là. Tu sais que ça en jette vraiment un peu. Il y a l'église. Il est dedans? Ouais. Ouh, il y a quelqu'un qui peut te voir. Après, tu peux faire le tour par le cimetière, je sais pas s'il y a des gens. Au pire, tu peux faire le contour, je pense. Mais même aussi à l'intérieur, c'est toi qui vois par où. Bonjour. Quoi? 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 Je cherche pas les emmerdes. C'est pourquoi il y a une porte qui s'ouvre. Vous avez été repéré par une caméra de sécurité. Embête pas les jardiniers. Alors je sais pas si la porte est ouverte par contre. À toi de voir. Là-bas, à droite. Je mets tout, limite, je prends tout en coïncidence. Ah, c'est bon, c'est ouvert. Voilà. À gauche.
C'est bon, t'as accès ici. J'avais un doute en garde du corps, enfin en garde du manoir si t'avais accès. En garde du corps, je sais que oui. Non. Bon, on va laisser tomber cet accident. Bravo 47, vous avez fait un accident, mais seulement si vous pouviez réussir à le faire sur les cibles, pas sur des gens qui ont rien demandé. Alors ici tu peux faire une mort trop classe dans une autre des missions. Ouais. Vu que t'as 3 missions avec cette map. Ah non, le truc. À plusieurs mouvements de journée. Là t'arrives à tuer quelqu'un. Ok, alors le. Bah regarde les cibles aussi, hein, essaye de voir. D'accord. Peut-être commencer par ceux qui auraient moins de fou pour éviter qu'ils s'enfuient ces deux-là déjà. Commencer. Mais fais gaffe, une fois que le truc est. En général, il y a des gardes, ou enfin en général qu'un qui vient. Ouais. Qui viennent. Donc prépare-toi à les descendre. À moins que je peux les shoot tous les deux en même temps, mais je pense pas que la balle passe à travers, je pense pas que j'ai l'angle aussi. Ça va être le problème. Tu peux zoomer. Hein. Bah, je sais pas c'est quoi la touche en fait. Oh, attends. C'est les flèches, c'est ça? Voilà. Okay, c'est le seul snipe que j'ai, les autres. C'était chiant avant de réussir. D'ailleurs, tu sais ce qui est drôle? C'est que j'avais pas encore ce snipe quand j'ai fait ce contrat, c'est-à-dire que je l'ai fait avec le sniper sans zoom. Ouais. Tu vois, avec le zoom de merde. Toi, c'est un peu plus simple hein, pour toi, hein, n'est-ce pas? Ouais. Essaye d'avoir la tête, par contre. Hein. Ouais. T'as tué ta première cible. Ouais, je suis pas mort. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, essaye de viser la tête. Parce qu'une balle de snipe ça n'arrête pas. Bien entendu. Voilà, t'en as une autre. Ah, je sais pas tout ça maintenant. Ah, oh, en plus, il se. Bravo. Ok, du coup, il m'en reste. Deux. Alors. Bon, elle est inatteignable. Je sens qu'il y en a un qui va venir chez moi. Il y en a une autre là-bas. Il y en a une autre là-bas. Ah. Regarde, il est là-bas! C'est 47! Oh. Ok. Oh, fais gaffe. Il te prend ton flingue! Non, c'était pas pour ça que je l'ai fait. Fais gaffe. Tu me vois pas. C'est bon, maintenant bouge plus. Et prie pour que personne en bas te voie, parce qu'ils peuvent te voir en bas. Je me suis déjà fait niquer, c'est aléatoire. Bah, ils peuvent te voir. Là-bas. Oh non. Bon, au moins ici, c'est bon, personne normalement te verra. Ok. Tu flippes, hein? Tout va bien, je vais très bien. Moi, il est bien épilé des sous-bras. Tous les matins, je me rase avec. Je connais qu'on ne peut pas courir sur les toits. Non. Pas dans ce niveau. Il y a un niveau, si t'as un certain costume, tu peux te courir sur les toits. Si tu l'as pas, tu peux pas. Je crois que t'avais pété. Non, par contre, j'espère juste qu'ils vont pas mettre 100 000 ans à. Hé hey, les gars, vous avez trouvé le fils de pute? Oh, bah, moi j'ai jamais eu de problème. Normalement, à un moment donné, ils vont repartir. Là, regarde, il y a déjà leur pote qui repart. Il reste plus que le chauve. Hé, monte-toi! On est entre chauves, on se comprend! Hein? Non? Entre chauves, on se comprend. Alors t'attends bien qu'il soit bien là, hein. Ouais. Ouais, je me joue à la flingue. Avant de monter, hein. Ouais, c'est pas prudent, tu risques de faire rattirer les autres. Hein. Ok. Fouh. Oh merde. Ah oh, putain. Mais je pensais pas que ça allait jusqu'à là. Moi je pensais qu'après dès qu'il descendait c'était bon, mais j'avais oublié. Est-ce qu'ils t'ont vu? J'ai pas l'impression. Oh merde, il y en a qui a un soupçon quand même.
Qui remonte, c'est ça? Ouais. Est-ce que je peux... Fais gaffe, baisse-toi. Est-ce que je peux vite prendre son cadavre et m'en aller avec? Ouais, je pense. Ouais, arrête-toi là parce que sinon ils vont te voir. Scott peut se mettre à couvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a... Ah, il va. Non, c'est bon, il prend juste l'arme et il se barre avec. Pour aller la planquer quelque part. Ok. Laisse pisser. Ouais, génial, tu vas pouvoir te déguiser en garde. Du coup. Ouais, ça met. Ça Ah, tu es en intrusion ici avec ce costume? Ok. Je savais pas. Bon, plus. Bon, dès que tu le sens, tu élimines ta dernière cible. Ouais, mais bon, d'ici, c'est pas atteignable. Oh, du mal. Ah, je peux même. Bah oui, le truc s'est calmé. Ok, là. Tout le monde est revenu à son emplacement. Je te loute. Merci. C'est lesquels? C'est la... Ouais, au pire. Tais-toi. C'est bon, casse-toi. Je jette le flingue. Oh, tu peux prendre notre costume au pire, vu que l'autre, t'es pas en intrusion ici. Là? Ah, c'est compromis, ok. Oui, c'est pour ça que je suis le temps que je me barre. Ouais, mais le problème, c'est qu'ici, s'il y a les mecs qui montent, t'es quand même un peu niqué parce que t'es en intrusion. Bah écoute, on verra bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vite, descends vite. Pour moi, atterrir là en bas. Est-ce qu'ils vont réellement monter tout en haut? Oui. On va faire comment là? Vite. Ah là, t'as perdu du temps là par contre. Ah. À la one. À la two. Ok, je suis pas visé. Baisse-toi. T'avais presque réussi, hein, c'est con. Ouais, j'avoue. Quelqu'un? Ouais. En dessous. Profisant pour descendre. L'endroit où t'es le plus à l'abri, c'est l'autre truc là-bas. J'ai jamais vu à aller là. Genre, il monte. C'est comme ça que je fais mes missions. Un coup de plomb. Quoi, fais gaffe. Si lui te voit... Il y a la cave là, à gauche. Bon ok, il y avait la cave là, à gauche. Ah putain, ça me rappelle la fois où j'étais au Maroc. Okay. Et t'as un costume de prêtre, là-bas. Ah mais mince. Con. Bon ici c'est bloqué quelque part, je crois. Costume, rien. Ah, tu peux sortir par là, à droite. Ah. Ni vu ni connu. Ah, comment ça hein? N'est-ce pas? Ouais. Ta-na-na. À toi de choisir le moyen par lequel tu pars. Avec la petite musique là, qui te dit que t'as presque fini le niveau. Le moyen le plus court et les plus gros. Et là, tu glisses et tu te brises la nuque sur le bateau. Marina est passée au bar hier soir. Sparta. Personne t'a vu hein. Voilà, y'a une petite mission. Personne n'a vu. Le mec, elle a fait la fatigue Sparta à un innocent juste pour se lâcher, être détendu quoi. C'est n'importe quoi. Je rêve où c'est le premier contrat que t'as réussi à terminer parce que dans le précédent, je crois que t'avais réussi à tuer toutes les cibles mais t'étais fait buter avant de sortir. Ouais, je crois que c'était ça. Alors, Steve, t'es content de ton premier contrat? Il t'en reste encore plein, hein? Pour les prochaines fois, c'est ça? Ouais. Tu vas te marrer?
Alors le pire, c'est le contrat où tu devras buter l'agent Smith. Ça fait bizarre. T'as buté, tu dois lui sauver son cul. Ouais, j'avoue. Bon, bref. Allez, je vais te suivre. Et je filme jusqu'à chez toi. Non. Alors, et maintenant, on va voir qu'est-ce que fait un Steve une fois qu'il a fini son truc. Déjà, après la cadavre. Je pose mon verre. Parce qu'il faut poser son verre. Alors, on fait un petit truc, voilà, de fin. Qu'est-ce que tu fais en général juste avant de partir, comme il est l'heure? Bah, quand il est l'heure, bah, je mets des chaussures. Parce qu'il faut bien mettre des chaussures hein, pour s'en aller. Voilà, regardez, on va voir. Elle montre bien. Voilà. Ah, de fumer mes pieds, c'est bon. Bon. Là, ça coche. Parce que qui dit sacoche, dit sacoche. Et puis je suis prêt. Voilà. Voilà. Bon ben, tu peux y aller. Oui, par la fenêtre, bien entendu. Non, parce que j'essaye de trouver une chute à cette vidéo. Ouais. Allez, vas-y, fais-nous une chute. Tu prends combien de chances de survivre? Bref. Tant que t'auras pas dit le mot de la fin.